terminé, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il est un petit peu tôt, il est 9h30. Je suis bien déglinguée parce que hier j'ai dû faire ma lessive et j'ai été me coucher, il était 2h30 du matin. Donc voilà, mais aujourd'hui je suis très tôt sur le parc, entre grands guillemets, parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Animal Kingdom et je voulais rater ça pour rien au monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a l'ouverture d'un spectacle sur le thème de Lao. Donc je suis en Disney Bound de Ellie, comme vous pouvez le voir. Alors mon t-shirt vient de Walt Disney World parce que je viens de l'acheter, et après bah, ce sont mes pins. Hein. Je vous emmène avec moi dans cette journée spéciale, je sais pas encore s'il y aura des animations, sachant qu'en plus aujourd'hui c'est Earth Day. Donc voilà, on va voir. Waouh, première apparition de la journée, ce magnifique perroquet. Qu'est-ce que j'aime cet endroit, la Pixie Army. Regardez-moi comme c'est beau. Alors on n'a pas vraiment le soleil aujourd'hui, mais c'est trop beau. Je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui faisaient déjà la queue pour le spectacle de Up, puisque la grande première mondiale commence à midi. Et en fait j'ai bien fait, parce que même s'il y a plus d'une heure et demie d'avance, il y a déjà une queue monstrueuse derrière moi. Alors moi j'ai que 4, 5, 6 personnes devant moi, donc ça veut dire que j'aurai une très bonne place au premier rang, ce qui est plutôt cool. Mais clairement je plains les gens qui vont arriver à la dernière minute. La queue est officiellement ouverte. Donc ouais, il y a 4 personnes devant moi. C'est juste 3 personnes, c'est juste incroyable. Je suis en train de vivre l'ouverture d'une attraction à Walt Disney World, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est assez ouf. J'aurais jamais cru vivre ça un jour dans ma vie, en fait. En fait, j'avais oublié que les handicapés et les fast-pass plus passaient avant nous. Non, Ellie. Je pense que niveau place, ça va être plus compliqué que prévu. Le spectacle est fini, c'était très mignon. En fait, ça présentait les différentes espèces. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'il allait avoir Kevin, parce qu'ils en parlaient à plusieurs reprises. Mais en fait, ça permet de découvrir des espèces. Ça permet aussi de voir quelques tours au niveau des oiseaux. C'était plutôt mignon. Après, est-ce que ça valait franchement une heure et demie d'attente? Je ne suis pas sûre, mais c'était chou comme tout. Maintenant je vais aller à Rafiki Planet Watch, déjà parce que apparemment il y a des animations pour l'anniversaire, mais en plus de ça parce que je ne l'ai pas fait lors de ma première visite. Je vous ai emmené la première fois à Gorilla Falls, cette fois-ci on va à Rafiki Planet Watch. And
là du coup on est à la gare de la Conservation Station et c'est ce qui va nous emmener à l'espace de Rafiki Planet Watch. Donc il faut prendre un petit train qui est juste ici. Nous voici donc arrivés à Rafiki Planet Station. C'est un endroit de conservation des animaux. J'avais déjà fait cette attraction entre guillemets il y a 2 ans à Walt Disney World, puisque c'est là que j'avais prêté serment à la gare du Roi Lion. Si jamais vous avez vu mes storytime, vous savez de quoi je parle, et où il y avait l'exposition sur Zootopie. Alors pour information, là où il y a Rafiki, c'est là où j'avais rencontré Tic et Tac il y a 2 ans et dont j'avais jamais pu retrouver les photos. Et bien Rafiki était déplacé puisqu'il était à l'intérieur à l'époque. Ça par contre j'en avais pas du tout souvenir que c'était comme ça. Je me demande si ça n'a pas été refait à neuf là aussi. De façon générale, je trouve qu'il y a beaucoup moins de personnages cette année à Animal Kingdom et à Walt Disney World. Quand j'y avais été il y a 2 ans, il y avait beaucoup plus de personnages à dispo. Mais là par contre, petite surprise pour cette journée anniversaire d'Animal Kingdom, il y a Jiminy Cricket à l'intérieur. Alors il y a une queue monstrueuse, mais je ne peux pas rater ça, donc j'y vais, je pars à sa rencontre. Je n'ai jamais autant fait de queue pour rencontrer un personnage de toute ma vie. Ça fait plus d'une heure que je suis dans la queue. D'ailleurs, à cause de ça, je vais rater mon passe-passe pour Navi River Journey. Je vais donc du coup faire la queue tout à l'heure, mais d'après l'application, il y a plus d'1h20 de queue. Donc ça va être sympa. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas fait énormément de choses. Ils sont beaucoup d'attentes en fait, plus qu'autre chose, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le parc. Et que pour avoir des bonnes places, pour faire les choses telles qu'on veut, il faut faire la commande. Je viens de finir de rencontrer notre ami Jiminy Cricket et il y a encore la queue dehors. C'est impressionnant. Il a un succès fou. Bon, il est 14h45, je viens d'avoir ma photo avec Jiminy Cricket et je suis sur le parc depuis 9h30 et j'ai fait une photo et une attraction, un spectacle. J'espère que l'après-midi sera plus productif. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette journée? C'est la journée du fail pour moi. Parce que du coup, j'ai voulu aller faire une photo avec Russell et Lou, puisque cette fois-ci, ils sont tous les deux ensemble. Et en fait, je crois que je vais aussi rater mon passe-passe pour le spectacle du Roi Lion. Donc, c'est mon deuxième passe-passe manqué de la journée. Jamais 203, mais bon. Le dernier, c'est pour le spectacle de Nuit Republic of Light. Donc, logiquement, je ne devrais pas le rater. Mais là, franchement, j'en peux plus, moi. J'en ai assez. J'arrête pas de tout rater. Et je passe mon temps à faire la queue. En fait, je pense que j'ai mal choisi ma période cette année sur une période où il y a vraiment énormément de monde et du coup je fais beaucoup moins de choses en fait que la première fois que j'étais. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même le meilleur au droit du monde. Bon, bah en fait, vu qu'ils ont fait 2 poses de personnages, du coup, je rate mon passe-passe pour le Festival of the Lion King. Je vais essayer de voir si je peux quand même rentrer et voir le spectacle, mais à mon avis, c'est compliqué.
juste avant que j'arrive. Je suis dans la queue normale, je suis tout au bout. J'espère que je vais réussir à être bien placée quand même malgré tout.